Voilà, Augmente les dommages finaux local occasionnels de 400. ricordingue. Augmente les dommages finaux occasionnels de 400%, 200%, 200%, 200%, 200%. Tu vois, il augmente à mort, et puis après, normalement, il peut one-shot les gens avec. Je ne sais pas. Même s'ils ont des résistances dans tous les éléments. Mais non, pas one-shot, mais genre, il les tue en deux coups, quoi. Enfin, il envoie la synchro, ça fait du 3 à 4 000, et puis après, ben bon. Bien, perso. Gros jeu. Ouais, gros jeu. Mais vraiment. Et là, on sort diagonal. Le gros jeu de Narc Telmouk, là, tu vois. Mais du coup, là, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit vraiment courir maintenant de l'autre côté. Enfin, je sais même pas comment il va le tuer, mec. What the fuck. Alors, on va voir, hein. A mon avis, si je vous que c'est planqué dans le coin là, c'est que ça doit être Bagdad. What? Déclencher un pièce de match pour pouvoir se barrer, je crois. Et tu vois, c'est technique, genre ils se regardent dans le blanc des yeux, ils ont 4000 HP, ils vont tout perdre en un coup. Ça, ça va être nap. Libération. Et le Xelor qui bouge. Il rapproche la synchro, il rapproche le cadran. Ah! Ah merde, il est déçu du coup. Il n'y a plus de pliage. T'as vu, il a one-shot le cadran. Hein. Oui, j'ai vu. Donc du coup, Fifou, que je peux bien tout recommencer. Vous avez bien aimé Star Wars, les gars, vous? Bah oui, c'est un film culte, Star Wars. Ouais, c'est un peu ça. On fait un jeu dessus. Battlefront. Non, The Old Republic. Ah ouais, il est gratuit, je crois. What? Même le chauffeur, il bouge. Ah oui, il peut tout bouger. Mais je crois que c'est... What? Mais non, t'as vu, il n'y a pas... Hein? Ah ouais, non, c'est le piège répulsif. What the... Je me dis, mais il est parti où? En fait, là, si ça se trouve, ils sont en train de faire de la merde tous les deux, mais qu'on n'en sait rien, parce qu'on comprend rien, donc... Faudrait qu'on voit les pièges, enfin, je sais pas. Comme on spectait Fifou. En fait. Bah oui. Pas, mais... Ouais, mais après, on peut dire à l'autre, ouais, avance pas par là, les pièges sont là, 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 là. Allez, hein, one-shotez-le. Bon, bah, mec. Bon, si c'est un gros one shot, je le mettrai sur YouTube. La captatrice. Ah, elle a commencé à faire des dégâts. Et le Xelor qui fait une horloge. Ah, horloge, ça revole de la vie maintenant. Mec, le Xelor s'est abusé. Encore de l'invoque. Il a un stuff. Mais en fait, c'est. C'est un truc, enfin le Xel il fait le gros PD parce que il invoque plein de trucs pour faire péter les pièges de Fifoux. Du coup, il peut rien faire. Ah, il va essayer de le pousser. Il est en train de réfléchir, le garçon. La carotte elle donne des PA. Ouais, je comprends rien. La carotte de Chalala. Regardez un petit peu les ailes du Xel. Hein. Quoi, gratte quoi ça? 5, 6? Ouais, je dirais gratte 6. Moi je les vois pas. Bah, tu veux que tu les actives dans les options. Fifoux, il doit être gratte 3 ou 4. Et lui là, il doit être gratte 5 ou 6. C'est dans quoi? C'est dans l'interface? Ouais, afficher les ailes en combat, je crois que c'est un truc du genre. Allez, hein, faites quelque chose! Hein. 11 tours, le Xel a perdu 200 HP, quoi, please! Je vous. Avant, moi les SRAM, quand je regardais, quand je faisais du Coliseum, c'est tu rush, attaque mortelle, boum boum, mais voilà. Le truc, c'est que là, s'il s'approche, il se prend la synchro dans la gueule. Qui de soit-il en passant. Ah oui, là, je vois les ailes. Tu vois, les ailes Fifoux, elles sont déjà pas mal. Elles sont pas mal, ouais. Ah. Bouge la synchro. Il lance, il le met dans le fion. Et bouh. What? C'est les pièges, hein. Putain, il est en train de casser tout le truc. Là, Fifoux, il doit être en train de rager intérieurement. Genre, mais putain, il casse tout! Et ça bouge. Elle a combien d'HP là, 5? 1200. 2000, Bah, le truc, c'est que s'il y a moyen qu'il tue la synchro, il peut le rusher au cake en fait, j'imagine.
Bah, ça doit être intelligent. Et alors, le sera. Oh, la flamiche! La chauffe-fleur. La micheux. Et allez, le troisième chauffeur. Mec, mais c'est nimp. Allez, tu retournes, tu vas taper le Xel. Est-ce que tu crois que moi je devrais mettre mes sorts niveau 6, genre. Kawa, tout comme ça, non? Bah oui, mais pas tout de suite, tu vois, tu dois d'abord monter les autres. Pourquoi il le tape pas? Pas vu, qu'est-ce qu'il y a? Bah les chauffeurs, ils sont allés sur lui, ils l'ont pas tapé. Bah un gros combat, hein, n'est-ce pas? Et y'a plein de gens qui regardent, hein. Mais t'as vu? Bah en même temps, c'est... La synchro! Mais oui, quoi, putain! Ah, ça touche de là! Bah oui, oui, ça c'est aiguille. Et aiguille enlève des PA maintenant. Quoi? Mais mec, j'en ai marre de jouer. Attention! Non, pas maintenant. À quelle portée il peut la faire exploser la synchro? Loin. Loin? Je sais pas comment on fait, mais je sais que ça peut taper de très loin. Mais pourquoi fuite? Il se déplace pas? Mais je crois que c'est fuite, c'est avec la synchro ou un truc du genre. Tu vois là, il s'approche, il dit putain, si j'avance d'une cloche, je suis mort. Et la fille qui est en train de calculer, il fait bon, si je le pousse là, si je le mets là, je le pousse, ça doit le one shot. Le truc, c'est que je sais pas si il sera le one shot en fait avec ses pièges. Parce que mon piège sournois, c'est feu. Là, il va se mettre invisible, obligé. Ouais, voilà. Et voilà. Et tu vas voir, il va remonter tout au-dessus de la map. À moins qu'il soit bloqué avec ses pièges, ce qui m'est. Bah, en fait, quand tu pousses quelqu'un dans un piège, à chaque piège qui explose, eh ben tu reprends des PV. Attention, il avance un synchro. Ah, là, c'est one shot, un synchro. Ouais. Mais s'il a mis mieux là, s'il est mort. Je sais pas. What? Mais ça veut pas TP? Mais je crois qu'il a fait la TP. Hein? Attends, souvent quand ils se mettent comme ça, c'est qu'ils vont la faire péter, je crois. Oh! Oh! Oh mec! Oh! Oh, il a pris trop cher! Ah, vu qu'il arrive au cac. Et boum! What? Oh, la synchro. Oh! Oh! 2385! Et boum! Ah, mais là, en un tour, ça fait. What? Eh ben, il va gagner, Fifoux. Oh, il a pas gagné! Non, mais il saura pas le tuer. Il a 200 HP, l'autre, et lui en a 1800. Attention. Un point sur top lane, il refait une synchro. Oh! Mec, il va mourir. Oh, mec! Mais non, 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 il va pas mourir. What? Putain, les dégâts que ça fait! Oh, mais c'est pas vrai! Oh, le 53 HP! Eh, hey, il va où? Oh non! Oh non, non, non! 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 Il a gagné! Ah non, il est peut-être contre, non? Eh, c'est la win! Et boum! Ah, c'était pas dégueu, ça, je vais la mettre sur YouTube, là quand même. Pas dégueu, pas dégueu.